ta part de mettre le veto. Assieds-toi. Non, je veux pas m'asseoir. Écoute, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette société? Pourtant, on avait une bonne organisation. L'organisation. Et puis, on avait le sens de l'administrage. De l'administration. Ah, bon, enfin, on n'avait pas peur du compétitage. De la compétition. Oh, puis j'en ai marre. Je m'en vais rue Saint-Denis pour faire une très lavage. Jean-Paul. Quoi? La suppression de ces emplois, c'est aussi des profits pour toi, espèce de nul. Ouais, bah... C'est bien rentré dans ta petite tête, ça. Ouais. Bon. Quoi qu'il manquait un peu de place pour le espèce de nul. Je vais te dire quelque chose qui va te jeter par terre. Mais quoi non? Malgré la convention, je ne vais pas retenir ton veto. Je vais te dire une autre chose qui va te faire chier. Non, s'il te plaît, c'est mon nouveau costume. J'ai pas l'intention de te laisser sortir d'ici pour aller chialer sur notre compte à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Pourquoi me poses-tu vers cette fenêtre de la salle de conférence située au 25e étage? Tu vas revoir chaque étape de ta vie du début jusqu'à maintenant. Hein? Au revoir. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui? Je suis lieutenant Flambeau. Lieutenant. Je suis désolé de vous apprendre qu'on a trouvé un de vos associés qui gisait sur le trottoir. Gisait du verbe geindre? Ah non, du gisir. Ah, geindre, c'est génial. Comme le verbe peindre, on dit pas pisser. Oh, ça dépend des peintres. Comment ça, Dali, on dirait vraiment qu'il pisait sur ses poils. Non, ça c'est pisser, monsieur. Bon, enfin, comme voleur. Il y avait du verre pisser autour du cadavre et je vois qu'il y a une fenêtre cassée ici. Mon Dieu, il se serait jeté par la fenêtre. Il a été poussé, monsieur. Comment ça, dis-je avec un air d'étonnement. Vous savez, quand on fait une chute d'une telle hauteur, on revoit toute sa vie. Oui, je sais. Et il paraît qu'avant de toucher le sol, il a dit: mais pourquoi vous me poussez vers cette fenêtre? Oh, il a peut-être pas visionné la bonne vie. Vous croyez que le type peut se tromper de vie? Mais pourquoi pas? Ah non, c'est Jérôme, c'est bien trompé de carrière. Et où il suit? Centrale cervicale. Oui, c'est des oreilles, il faudrait que je te parle. Sur quel ton? Attendez un peu. Bon, ça y est, corps vocal? Oui. Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave. Mais qu'est-ce qu'il y a, ça a l'air grave? Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît.